à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. Voilà ma nouvelle caravane que j'ai achetée il y a 3 semaines. Donc, si vous voulez la visiter, vous pouvez me suivre. Son prix, c'est 700 000. Bon, ben voilà mon salon, un salon très confortable. Hein. Bon, des sièges avec des ressorts, bon, vous pouvez le constater. Des tentures en velours ici. Beaucoup d'armoires. Voilà. Voilà, beaucoup d'armoires. Alors, ici, bon, j'ai. La table ovale, bon, on mange sur de la moquette, ce n'est pas fort à l'aise, mais enfin, si vous voulez, on va aller voir la cuisine. Voilà, mon coin de cuisine, le coin le plus agréable pour moi. Ici, c'est le frigo. Voilà, le frigo. La cuisinière, la hotte électrique, le bulex. Qui veut le gamin? Oui. Allez, si chante un peu, hein. Chante un peu, hein. T'es intrigué, hein. T'es intrigué, hein. Où vous mettez feu? Ben voilà, la caravane, mais on l'a pris à deux. C'est elle qui avait choisi. Et je ne vois pas fort bien maintenant ici quelqu'un dort, hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est ceux qui viendraient ici, c'est pour quoi faire? Pour faire enlever tout ce qu'elle avait mis? Pour rester. Tout ce qu'elle a, c'est elle qui les a choisis. C'est elle qui a pris tout et on a installé ça comme ça. Et elle peut rentrer quand elle veut, elle rentrera ici, mais elle tombe comme si elle venait de partir. Il n'y a rien de changé. Ils nous regardaient d'un air fort malheureux en nous disant oh, fais quelque chose pour nous, mais on n'aurait rien su faire pour lui. Quoi, c'est comme quelqu'un qui a une crise cardiaque, là, et on ne saurait rien faire pour lui, hein. Voilà. C'est tout ce que je voudrais vous dire, que je suis fort triste d'avoir perdu mon chien, et je ne sais pas me réhabituer à prendre un autre chien. C'est terminé, je ne saurais pas. Moi, j'ai déjà fait un infarctus en 69. J'ai été opéré de cataracte. J'ai un accident de voiture aussi. Rien que d'en parler, ça me fait de la peine. J'aime pas beaucoup. Vous avez une photo là? Oui, une petite photo de vous, mais je ne sais pas si vous la verrez bien parce que. La petite photo qui a été faite le soir, je ne sais pas si vous la verrez bien parce que. Elle a été faite le soir. C'est triste pour nous, savez-vous. La capare, c'est fort triste. Je ne sais pas me réhabituer à un autre chien. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de revoir, mais. Non. Je me suis trop gâtée avec lui. Pour un prix pareil, hein, j'ai constaté qu'il y avait quelques petits défauts. Hein. Bon, une petite ébréchure ici à la glace. Oui, allé au bord de l'eau, j'ai brûlé panier, coussin, collier, médaille, tout. Je ne voulais rien voir à l'eau. Et depuis, je ne veux plus rien voir à l'eau.
J'ai téléphoné à ma fille qui est à votre homme pour qu'elle aille jeter les bols et tout ce qui s'en suit, tous ces petits jouets, tout ce qu'il y avait du chien. Ou quand je rentrerai, moi, le dimanche soir, que je ne vois rien au chien. Je ne voulais pas. Il y a eu un accident de voiture aussi, à Verdun. Là, j'ai perdu une roue. Qui n'aurait pas été resserrée. Le quatre roues n'était pas serré. Oui, ben au matin, j'ai lu l'histoire, là. Quand sonne le glas, là, je ne sais quoi, si. C'est un chaussée, le roman. C'est une histoire de meurtre qui se passe dans un village. Et alors, il vient un commissaire de police, c'est une femme. Et elle vient là incognito, et tout le monde croit dans le village que c'est elle qui a tué une vieille personne, qui l'a jetée à l'eau pour la noyer. Mais en définitive, c'est une vengeance d'un monsieur qui aimait bien une femme. Et cette femme-là l'a rejetée, et alors, pour se venger, il a tué la femme, tout en faisant retomber la faute sur le mari. Et alors, le mari a fait 20 ans de prison, et il est mort d'un cancer dans la prison. Oui, et celui-là qui est amoureux de la femme, donc il vient pour venger les gens du village qui ont témoigné contre le mari. Et alors il les tue l'un à l'autre. Et chaque fois qu'il en a tué un, eh bien, il fait sonner le glas dans le village. Ah. Je ne veux pas une femme errée où est-ce qu'elle menace. Hein? Je ne vois pas fort bien une femme d'homme molle. Où j'étais avec l'autre. Elle est de Zemberg alors qu'il se mettait à ça. Je vais mentir, hein, ça. On te sort un ami deux gars le fait, hein. C'est impossible, ça. Bon, ben, mon mari a constaté quelques petites égratignures ici à la caravane. Bon, c'est pas bien mortel, mais enfin, pour un peu pareil, j'aurais pas dû en avoir. Vous tu dis que quand elle se remet à vous une homme, c'est pour ses bézouilles? C'est ça, c'est au minon. Parce que, hein? Il y en a des autres qui m'y. Mais là, il y a des gens qui se regroupent pour le pension. Oui, hein? Elle ne veut pas tomber amoureuse parce qu'elle n'est pas dans les mêmes conditions que lui. C'est une pauvre petite fille. Oui, c'est toujours de bon la même lieu. Histoire. C'est toujours la même histoire, hein? Ouais, ouais. Mais il y a de belles histoires là-dedans, il faudrait voir, hein? Finalement, ça finit comme dans tous les romans, hein? Elle finit par tomber réellement amoureuse de lui, lui aussi, et il se marie. Ouais. C'est beau, mais ouais, j'aime bien parce qu'on voyage, beaucoup. Oui, mais ce sont des histoires qui n'arriveront jamais chez nous. Je ne vois pas bien un beau jeune homme qui viendrait ici et dire « Regarde à mes enfants, j'ai une belle piscine, hein? » Il sortait de la voiture, et comme ma voisine était là, on lui disait « Va dire bonjour à ta Janine. » Il venait dire « Bonjour à ta Janine. » Il allait chercher son petit sucre chez ta Janine. Quand Toto est arrivé, il allait chercher son petit morceau de sucre aussi. Il était fort gâté avec nous. C'est triste maintenant quand on arrive et qu'il n'est pas là. Fort triste. Et bien souvent, je regarde au-dessus du Montpellier, là, je pense à mon petit chien qui est là. Parce qu'il est bien, il est dans le bois. Il aimait la nature et il est bien là. Vous voulez que je le mette dans ma parcelle? Vous tout le temps le voir? Journal télévisé, c'est les voisins qui me le venaient dire. Ils étaient doux sous Charles. Mais télévision, fini. À part le football, il y en a manière, c'est ça même, c'est ça, hein? Une bonne émoi. Non, le journal parlé, c'est fini, ça. Une bonne émoi. Je ne te dis pas, c'était Jason Martin, ça. Alors, calme. Bon, doute, hein? C'est hier, là. Et qu'on y mette qui qu'on vous, c'est tous les mêmes, hein? Et les gazettes? Même affaire, transport, ça. Et les transports, ils les mettent toutes part. C'est une bonne émoi, ça. Pour les bouquets de papy. C'est plus ce que ça passe de costé. Des mètres. C'est tout dit pour en aussi des morts les nouvelles. Qui n'a des six au bateau Charles, des six qui sont strachis là, c'est les nègres qui vont les écouter, ou c'est les blancs qui vont les dresser les autres. Elle est allée pour un examen. Là, pour une échographie. Pour une échographie. De là, on a constaté que. Le trou avait un petit peu agrandi, oui. Alors. L'opération était nécessaire. Quoi. Oui. Et moi, de mon côté, il ne voulait pas m'opérer. Alors Mais moi, je ne veux pas, parce que... Comme un devait être opéré et l'autre ne pas être opéré, on a décidé de partir et de prendre 10 jours de vacances. On est parti en Espagne. Malheureusement, on n'a pas eu de beau temps. Voilà, mais de nouveau, il faut encore recommencer à brosser, hein, parce que la petite, c'est du va-et-vient, elle descend, elle monte, elle rapporte de la pelouse.
Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis fort minutieuse. Alors, je tiens à la propreté de ma caravane. On adorait notre chien. Aussi bien mon mari que moi, on l'aimait. Il est enterré là au-dessus. Mon mari est encore allé hier, sans me le dire, sur sa tour. Voilà. C'est ce que je voudrais vous dire. Il ne faut rien dire d'autre. Voilà. C'est triste. J'avais perdu sa bête. Enfin. Nous espérons qu'on vive quand même un petit bout de temps, là. Ben. C'est le bon Dieu qui va nous. Je vous parle de la vie de mon côté. Ne pas songer à ce qu'on a. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens. Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. Dure longtemps et la vie surprend.